Bonjour à tous, aujourd'hui on va réaliser une recette allemande avec cette brioche appelée Büchti. Sa particularité c'est qu'il n'y a pas de beurre, il sera remplacé par de la crème épaisse. Ça donne une brioche moelleuse avec une mie filante. On peut l'aromatiser soit avec de la vanille ou du zeste de citron selon le goût. On commence donc par mettre la levure dans la cuve du robot avec le sucre. Je mets le lait tiède, la farine. Pour tout ce qui est brioche, j'utilise toujours la farine type 45. On met par la suite les œufs, la crème épaisse, le sel. Et on va mettre en marche le robot pour faire une pâte et la pétrir pendant environ une dizaine de minutes. On peut bien sûr faire cette opération à la main. On obtient au final une pâte collante. Qu'on va couvrir, on va la laisser lever durant 2 à 3 heures selon la température. Il faut que ça double voire triple de volume. Vous pouvez mettre la pâte au four préchauffé et éteint à 30 degrés. Ça va l'aider à lever plus rapidement. Après 3 heures de pousse, donc je dégaze la pâte, c'est-à-dire j'enlève tout l'air qu'il y a dedans. Avant de la découper, on va 4 portions de 40 grammes chacune. Je forme des petites boules en farinant légèrement les mains et le plan de travail. Je les dispose dans un moule rond ou rectangulaire, l'une à côté de l'autre, sans pour autant les coller entre elles. Puis on va laisser pousser la brioche à nouveau durant 1h30 à 2h. Le four est préchauffé à 160 degrés. On va enfourner notre brioche pour laisser cuire pendant 30 minutes. Selon les fours, vous pouvez prolonger la cuisson de quelques minutes. Cette brioche a une couleur pâle, pas très dorée, mais si vous préférez, vous pouvez faire une dorure à base de jaune d'œuf. On laisse complètement refroidir sur une grille, puis on va saupoudrer de sucre glace avant de servir. On arrive donc à la fin de notre recette. J'espère que ça vous a plu, que vous allez la tester. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne dégustation et à la prochaine.